Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire des nuggets végétales avec du pois chiche. Voilà, on va préparer aussi à côté des petites sauces et surtout, ça sera sans gluten. Voilà, ça c'est intéressant. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut. Alors, j'ai pris des flocons d'avoine sans gluten, on en trouve très facilement, hein. De la moutarde, un peu de curry pour les sauces et du paprika pour mettre dans les pois chiches. Mais vous faites ce que vous avez envie, hein. Vous mettez les épices que vous voulez, hein. Un petit peu de lait végétal, ça c'est du lait d'avoine, vous faites avec le lait que vous voulez. Il faut des pois chiches, moi je ne me suis pas embêtée. Soit vous faites des pois chiches que vous faites tremper et cuire. Alors, il faut les faire tremper au moins 24 heures et les cuire. Soit vous pouvez très bien les faire aussi tremper sans les cuire. Ça dépend, il y a plusieurs versions. Moi, je vais faire avec ce que j'ai, un bocal, hein. Il y a 600 et quelques grammes. Je vais prendre évidemment du piment d'Espelette, de l'huile d'olive pour mélanger, pour mettre sur du papier cuisson. On va les faire cuire au four. Du sel fin, et ça c'est pour les sauces. Alors vous prenez ce que vous voulez. Moi je prends de la crème de coco parce que je n'utilise plus du tout de soja. J'étais opérée de la thyroïde et je me suis flinguée la thyroïde à force de quand j'étais végétarienne et en éliminant beaucoup les laitages avec le soja. C'est un perturbateur endocrinien. Faites très très attention avec le soja, hein. Même quand on n'a plus de thyroïde, une de mes amies se reconnaîtra, je la remercie, m'a dit de ne pas en consommer parce que quand on prend après une hormone de synthétique, ça arrive moins à la synthétiser. Donc faire très attention avec le soja. Je vois beaucoup de jeunes qui utilisent du soja, qui sont véganes et tout, je les mets en garde. Faites très très attention au soja. Pendant des années, on ne s'en rend pas compte et puis la thyroïde en prend un coup, hein. Voilà. Et puis je vais mettre aussi une petite sauce avec de la purée de tomates. Voilà. Bon, mais je vais égoutter mes pois chiches. Je vais garder l'eau en cas. Puis je ferai peut-être un peu de la coiffe à bas, je sais pas. Je vais garder le jus des pois chiches. Allez, on se retrouve. On se retrouve. J'ai mis dans mon petit moulin avec la lame à naisse. J'ai mis l'oignon et je l'ai haché. Voilà. Maintenant, je vais mettre. J'ai enlevé l'eau des pois chiches et je vais les. Alors, je ne les ai pas rincés volontairement parce qu'il y a encore un peu d'amidon et ça va permettre de faire le liant. Alors, c'est la première fois que je fais cette recette, hein. Au pif, vous me connaissez. Donc, je vais en plusieurs fois mouliner assez grossièrement, pas trop trop fin quand même. Je vais voir la texture. Les pois chiches, je vais le faire en plusieurs fois pour pas que ça devienne quand même trop de la. Voilà, peut-être comme ça serait pas mal. Je regarde, ouais, ça a l'air bien comme ça. Vous voyez cette grosseur, je vais les mettre dans le plat, je verrai bien si ça va pas. Je remixerai tout. Pas non plus que ça fasse de la purée, il faut que ça ait un petit peu de consistance. Vous voyez là à peu près comment c'est. Voilà cette texture. Faut pas que ça fasse de la purée. Allez, je mixe le reste. Vous pouvez faire avec un gros robot si vous voulez. Moi j'ai pas trop voulu parce que j'aime bien les consistances avec ces petits robots, j'aime bien. C'est notre vieux robot qui servait pour nos enfants il y a de ça plus de 30 ans. Il servait à faire les soupes et les purées. Il en a vu, hein, des enfants défiler à la maison, celui-là. J'ai été aussi assistante maternelle, alors voilà. Allez, je continue. Un petit tour. C'est un peu grossier encore. Je
vais tourner avec mon petit couteau parce que la pulpe un peu plus moulinée est en bas. Voilà. Allez. Allez, ça a l'air pas mal. Voilà, là on va ajouter tous les autres ingrédients. Voilà, je me fais un peu de place. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais approcher un peu la caméra. Voilà. Allez, je vais ajouter l'oignon cru, hein. Pas besoin de le faire. Là, je vais ajouter du sel. J'aurais pu prendre du gros sel, mais bon, j'ai peur que ça... Comme on ne le fait pas cuire à la poêle ou dans une casserole, ça va moins se... Ça risque d'être aggloméré dans certains nuggets. Voilà. Allez. Je vais prendre une cuillère à soupe. On va mettre un peu de moutarde pour pimenter un petit peu tout. Ça, c'est facultatif, hein. Je me suis dit pourquoi pas mettre de la moutarde. J'en mets une cuillère à soupe, on verra ce que ça donne. Un peu de piment d'Espelette. Vous connaissez mon amour pour le piment. Voilà, on va mettre du paprika. Ça donnera un petit peu un bon goût. Vous mettez du paprika fumé aussi, hein. Pourquoi pas. Suivant ce que vous voulez hein, faire. Hein, tout dépend de m'enlever les bracelets. Voilà, ça c'est fait. On mélange. Alors, la panure, elle sera sans gluten. C'est ça qui est bien. Autrement, vous faites avec la panure que vous voulez aussi. Hein. C'est pas, si vous n'êtes pas intolérant, vous faites avec de la chapelure. Voilà, moi, j'ai fait avec... Wow, ça pique les yeux. Hein. Ça me fait pleurer. Je vais goûter. Bien mélanger. Qu'est-ce que c'est bon. On pourrait presque le manger comme ça. C'est une idée, tiens, d'en mettre un peu dans les salades. Bon, mais voilà, je vais essayer de former des gold nuggets. Maintenant, on se retrouve, je me pousse tous les ingrédients. Je me fais de la place pour mettre le lèche-frite avec le papier sulfu. A de suite. Allez, les amis, on se retrouve. Donc, je vais huiler. J'ai froissé volontairement dans mes mains une feuille de papier sulfurisé pour que ça tienne bien. Avant, j'y mettais un peu d'eau au fond, mais bon, je trouvais cette technique, c'est parfait. Allez, je vide mon petit coin pour faire frire les nuggets. Je n'oublie pas d'allumer mon four à 180 degrés pour préchauffer. Voilà, et puis après, eh bien, on va faire des petits nuggets. On va former des nuggets dans notre main. On va aplatir. On fait la forme que l'on veut. Hein. Je les trempe dans le lait. Et après, on met les petits flocons.
Voilà. Regardez comment c'est mignon. Allez, et puis je les mets au fur et à mesure. J'avais envie de nuggets. Je me suis dit, bon, avant j'en achetais, mais à base de soja. Et puis j'ai arrêté, quoi, hein, parce que je me suis flinguée, comme je vous disais, la thyroïde. Hein. Plus Tchernobyl qui est passé. Voilà, voilà. Paraît-il que le nuage s'était arrêté à la frontière. Merci beaucoup. On est beaucoup, beaucoup dans le sud-ouest à être malade de la thyroïde et beaucoup en France et dans différents pays du monde. Hein. Voilà. Quand on n'a pas la chance d'habiter en bord de mer hein, aussi. L'iode est pour beaucoup de choses aussi. Hein. Voilà. Donc le soja, je n'en consomme plus. Très peu de sauce de soja des fois quand je fais les nems. Mais j'évite un maximum. Quoi. J'en ai trop mangé et bu. Du lait de soja aussi à outrance. On va voir ce que ça donne. Hein. Vous me direz si vous avez essayé avec des pois chiches qui ont trempé pendant 24 heures sans les cuire pour voir ce que ça donne. Moi, j'avais peur que ça soit un petit peu trop indigeste parce que j'ai beaucoup de problèmes de digestion aussi. Donc, je me suis dit, allez, je ne vais pas tenter le diable, je vais les prendre déjà cuits. Parce qu'il faut quand même les digérer. Hein. Bon, même si ça passe au four après. Alors, je n'ai aucune idée de la cuisson, je vous dirai après. Dans la notice, dans la barre d'infos tout à fait en bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, la description, vous trouverez les proportions, tout le déroulé aussi de la recette. Je pense aux personnes qui sont malentendantes. Voilà, vous avez compris le principe. Je vais continuer. Je ne sais pas si j'aurai assez de place dans ma plaque, autrement eh bien, je le ferai cuire en deux fois. Voilà, c'est mignon, hein. Allez, on se retrouve les amis. Et bien voilà, tous les petits nuggets se sont formés. Regardez, j'ai eu assez de place pour mettre dans la tôle. Je suis contente. Le résultat a l'air sympa. On verra bien après en bouche ce que ça donne. Alors là, j'ai gardé, ben, il restait un petit peu de lait avec un petit peu de flocons. Donc je vais rajouter un petit peu de flocons. Je vais faire une petite galette. Voilà, à la poêle. Pour ne pas perdre. Mettre un petit peu de curry peut-être. Voilà, regardez comme ils sont jolis. On va voir ce que ça donne. Allez, j'enfourne. Sur chaleur tournante, moitié, comment dire, à moitié à peu près du four. La grille à moitié du four, ouais, à peu près. C'est joli, hein? Allez, on surveille la cuisson. On se retrouve d'ici un quart d'heure. Ah, je vais peut-être les dorer dessus, tiens, avec un petit peu du... Je vais les passer au pinceau, tiens. On va le faire ensemble. Voilà, comme ça sera bien doré dessus. Mettre un petit peu d'huile. On tapote légèrement. Bon, c'est bien ça, les graines se les flocons ne se détachent pas de la. C'est parfait. On n'en met pas 3 tonnes non plus, hein, mais bon, il faut que ça soit un petit peu. Comme ça dorera mieux, je pense, les flocons. Peut-être essayer aussi de les faire à la poêle, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous avez fait comme cuisson. Je fais ça comme ça parce que je n'ai pas resté derrière le gaz pendant longtemps pour cuire, quoi. Ça fatigue hein, de rester debout pour cuisiner hein, quand on n'a pas trop la forme.
J'espère qu'ils vont être bons. Ma fille me disait, maman, tu me feras des nuggets. On a mangé avant. Des nuggets tout prêts, quoi. Bon, elle la mange au poulet, hein, ou à la dinde, hein, des bien chimiques, parce que les enfants, ils ne mangent pas comme moi. Hein. Mon fils fait attention, il mange bio. Bon, on mange tous bio, hein. Mais lui, il se fait des bonnes choses, mais simples, mais il s'achète du tout prêt aussi, mais bio. Allez, voilà. Bon, allez, ça va partir en cuisson. Et on se retrouve dans un moment. C'est joli, hein, regardez ça. Allez, on se retrouve dans un moment. Je vous montre ma petite galette que je vais me faire. Je vais me la faire au curry, je vais me manger avec une petite salade. Allez. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de flocon, du curry. Je vais rajouter un petit peu de sel. Pas besoin de piment parce que là, le curry, ça va être un peu assez fort. Voilà. Allez, on va la faire cuire ensemble. On se retrouve devant le gaz. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, c'est parti. On va mettre un petit peu d'huile. J'aplatis légèrement. Alors, plus on va la faire fine, plus vite elle va cuire. Hein. Voilà, on verra bien autrement, mais ça fera. Ça sera un peu liquide, mais c'est pas grave. Hein. Ça sera sûrement bon. Ça ne fera peut-être pas une galette, vu qu'il n'a pas de liant. J'aurais pu y mettre par-dessus un petit peu de. C'est vrai, j'aurais pu y mettre un petit peu de fécule de pomme de terre. Tiens, j'en ai là. Je vais en mettre à peine un petit peu dessus. Voyons ce que ça donne. J'aurais dû l'ajouter avant, mais bon, ça va pomper le jus du pois chiche qui reste un petit peu. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'huile pour faire frire. Je vais baisser mon feu parce que c'est le gros feu là. On va voir ce que ça donne, les amis. Hein. Ça a l'air de se tenir un peu quand même. Hein. Ouais, c'est pas trop mal. Pas mal, pas mal. Je baisse. Finalement, je pensais vous faire qu'une recette. Vous allez en avoir deux. Des petites galettes vite faites. Je penche un petit peu la poêle pour que ça passe dessous, pour que ça grille bien. Après, on foutra un pet de gaz un peu plus fort. Voilà, pour le saisir un peu. Pour la saisir, pardon. Je baisse un peu. Je vais essayer de la retourner tout doucement. Ah, ça casse. Je vais la faire avec deux.
Voilà. Hop, oui, elle est jolie. Allez, on remet un peu d'huile. Je remets un petit peu de gaz un peu plus fort pour la saisir. Mais elle est pas mal. Très sympa. Ça se tient bien. Elle est jolie comme tout, regardez. Je vais me faire des petites sauces pour manger avec. On va les préparer les sauces là maintenant pendant que ça cuit. Je vais mettre à peine un petit peu plus d'huile. Je monte un petit peu le gaz. Enfin, la flamme. Sympa, vous avez vu, on mélange un peu de lait, un peu de flocon. J'aurais pu y mettre aussi un petit peu de moutarde, hein. Puis on mélange la fécule de pomme de terre, voyez, ou vous faites avec la fécule de maïs et la maïzena, hein, aussi, si vous la supportez. Ah, vous voyez ce côté farineux, finalement, il ne grille pas bien. Donc, j'aurais peut-être pas dû mettre la farine. À voir. Je vais mettre un petit peu d'huile dessus pour que ça dore. Voilà, et je vais la retourner. Voilà. Allez, on se retrouve dans un moment. Allez, on se retrouve, les amis. On va faire les petites sauces. Alors, j'ai pris de la purée de tomates bio. Voilà, on va mettre un peu de basilic. On va tourner. Un peu de sel. Voilà, hein, une petite sauce toute faite. Vite faite, on peut y mettre un peu de paprika, pourquoi pas. Petite avec la crème de coco. Celle-là, je vais la faire au curry. Non, mais pas trop parce que ça pique, hein, le curry quand même. Hein. Après, vous voyez, hein, vous pouvez faire avec du garam masala, je sais plus jamais le dire, du 4 épices, du pourquoi pas du raser la nout. Voilà, vous voyez les épices que vous voulez mettre. Je goûte. C'est fade. Je rajoute un peu de curry. Voilà, des petites sauces express. Si vous avez un yaourt, eh bien, vous utilisez un yaourt aussi. Hein, vous voyez, ou de la crème si vous supportez le lait de vache. Mais bon... Évitez d'en acheter quand même, les pauvres vaches qui sont sans arrêt, on les prive de leur veau. Et elles ont elles sont surexploitées, les pauvres. Et puis, c'est pas tellement bon, hein, le lait de vache. Hein. Ça troue les os, il y a de l'acide phosphorique, il faut faire très attention. Allez, j'y mets un petit peu de sel, c'est fade. Et voilà notre petite sauce express au curry.
est prête. Et la petite sauce, bon, ça n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Petite sauce tomate améliorée, je goûte. C'est assez salé aussi. Bon, mais voilà, je vais m'installer là. Vous allez me voir manger avec la petite galette pour essayer, pour la goûter. Je vais regarder. Ah, ben tiens, on va regarder les... Ça sonne, tiens. On se retrouve au four. Ça fait un quart d'heure que je les ai fait cuire. Les nuggets ont chauffé pendant un quart d'heure. Il manque de cuisson. On va les y laisser un peu plus. C'est joli, hein? Bien, voilà. Je crois que je vais les retourner. Parce qu'ils ont l'air bien cuits à dessous. Ça fait à peu près, je dirais, 20 minutes qu'ils y sont. Donc, je vais les tourner. Et on se retrouve dans un moment. Et bien voilà les amis, on se retrouve. Je vais goûter avec vous la petite galette. Regardez comme elle est jolie. Sympa, hein? Allez, je vais y mettre un petit peu de crème de curry. Et je vous dis ça. Oh, ça c'est bon. Oh. Alors ça c'est divin. Je vous montre. Regardez. C'est très 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 bon. Pareil, ça va être meilleur que les nuggets. Je goûte avec la tomate. Ah, mais ça, c'est divin. Je vous montre avec la tomate. Que j'étais bête de pas m'en faire avant. Bon, mais voilà. Je crois que dans pas longtemps, les nuggets vont finir de cuire. Je les ai mis 10 minutes de plus de l'autre côté. Je verrai bien. Voilà, et ça c'est un super petit repas végétarien. Cette petite galette est formidable. Tiens, Jacha, j'avais goûté avec moi. Bon, mais on se retrouve dans un moment quand c'est cuit. Petite splendeur, ça. Eh bien, voilà, les amis. Les nuggets sont cuits. Ils ont mis à peu près 30 minutes, je pense. Voilà. Ils ont l'air croustillants à l'extérieur et un petit peu mous à l'intérieur. On va se régaler. Allez, je vais les transvaser. Je vais faire les photos et on se retrouve pour la dégustation. Je partage avec vous, les amis. Alors ça, tout le petit croustillant, là, ça va être bon. La petite splendeur, j'adore. Allez, on se retrouve. Regardez-moi cette petite merveille. Oh, ils sont jolis. Regardez ça. Oh, on va se régaler. Allez, je trempe dans le curry. On partage, les amis, hein. Oh, c'est bon. J'adore. C'est très très bon. Ça aurait peut-être, j'aurais dû mettre un petit peu, à peine un petit peu, de fécule de pomme de terre dedans, pour que ça soit à peine un petit peu moins
un peu plus ferme l'intérieur. Voilà. Mettez-y un petit peu. Voyez, vous mettez, je sais pas moi, une cuillère à soupe de maïzena ou de fécule de pomme de terre. Ça rendait mieux sur la comment on appelle ça, sur la galette. Vous voyez, c'était un petit peu plus ferme. Donc essayez. Vous me direz dans les commentaires. Ils sont magnifiques. Très 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 bon. Bon, allez, mettez-vous en cuisine. Allez faire les courses. D'abord, regardez dans vos placards si vous avez de quoi faire. Et puis, vous me direz dans les commentaires. Alors, il y a une amie qui me disait, comment faire pour me poster dans les commentaires sur YouTube? Il suffit tout simplement de vous abonner et puis de vous cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes recettes. Voilà. Bon, mais pensez à vous abonner surtout aussi et venir nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Je vous embrasse les amis depuis notre sud-ouest. Régalez-vous bien. Vous me direz si vous avez fait cette recette. Adi chat. Cette recette et l'autre, parce que l'autre c'est de la bombe aussi. Je vais le marquer dans le titre. Galettes et nuggets. Les galettes, elles sont vraiment divines. Ça, c'est vite fait. C'est la galette minute, ça. Vite faite, vous allez vous régaler. Et alors, le fait de rajouter un petit peu la fécule de pomme de terre sur le dessus, rien qu'au moment, ça donne un petit croustillant d'un côté et de l'autre. Ah, vraiment, c'est pile et face. C'est très bon. Vous verrez en bouche, c'est... Allez, je vous embrasse.